Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'étendue d'enrobé de Mtamboro Ntahara. Alors, ici, l'enrobé va s'arrêter à ce niveau là-bas, vous voyez. Alors ici, on va continuer jusqu'à Mtahara. On va aller jusqu'à Mtahara. Vous allez voir l'étendue des travaux et ce qui a été réalisé en live. Pour ceux qui ne sont pas passés ici, ceux qui habitent dans le sud. Alors ici, il n'y a pas encore d'enrobé. Hein. Donc vous allez voir l'évolution. Alors, je vais pas parler beaucoup ce matin, je viens juste de me réveiller. Donc, alors ici, il y a possibilité de mettre des trottoirs. Vous voyez là, on marche sur la route. Tout cet accès-là, on peut mettre des trottoirs. Hein. Jusqu'à Mtahara, mais dans toutes les communes, on peut trouver une solution pour mettre des trottoirs. Alors donc, vous allez assister à l'absence des trottoirs. À Mayotte, toujours, c'est quelque chose. On est obligé de marcher sur la route. Moi-même, je marche sur la route. Donc, les trottoirs se font très rares. Donc, du fait que je dois marcher sur la route, à chaque fois, on doit marcher sur la route, se mettre en danger. On a quelques passerelles de trottoirs. Et après, c'est tout. Il n'y a pas autant, il n'y a pas beaucoup. Il y a des espaces comme ce que vous voyez avant, là, devant moi. Ah, once in a husband. Oui, ça va. Non, espagnol, tu man. Ta life, man. C'est là. Tam Sahara, man. Donc, on va se mettre dans notre quête. D'accord. Merci à ceux qui m'arrêtent pour me demander je vais où. Ça va?
Viens dire bonjour, toi. Viens dire bonjour. Dis pas bonjour, toi. Salam alaikum. Ça va? Dis pas bonjour à les petits ici, là. Alors, voici, on a ici le panneau des travaux. Travaux de signalisation et sécurisation des routes communales de Mtsamburu. C'était... Donc, c'est ce qui va faire peut-être le traçage de l'enrobé qui est en train d'être mis en place. Peut-être ça. Donc ici on est à Mjago. On entre plutôt à Mjago, et vite, pour que je sorte de la route, puisqu'on n'a pas de trottoir. Donc absence de trottoir. Comme vous le voyez. Ça va? Alors. Bon, vite, il faut que je sorte de la route. Hein, avant de me faire écraser. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas ce qu'il fait. Ah tiens. Oh là. Je tombe sur ma mère. Donc on va commencer à rentrer. On va commencer à rentrer sur l'enrobé là. Ça sera un petit peu plus loin devant. Je sais pas s'ils sont là, si c'est aujourd'hui c'est une journée de repos. Donc vous voyez, ça s'est arrêté à peu près ici. Ah. Ce n'est qu'une première couche qui a été mise ici, pas plus que ça. Donc c'est pas fini. Donc ça s'est arrêté sur cette portion là, venant de Mtsahara, parce que ça a commencé en pointe de Mtsahara et ça va se finir au niveau de GG à Mtsamburu. Donc c'est quelque chose de propre, mais moi j'aurais pensé qu'ils allaient mettre des trottoirs aussi, ou c'est pas les mêmes personnes qui font les trottoirs, mais les trottoirs seraient les bienvenus pour éviter de piétiner la route, car il y a des accidents qui arrivent comme ça. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent comme ça. Alors, ça, c'est assez propre là. Mais il reste encore une autre couche là-dessus. C'est pas fini, d'accord, c'est pour ça
le vrai enrobé, vous allez le voir. Il est très épais. Donc ici, c'est une couche très fine qui est là. Bon, du coup, les poubelles un petit peu en vrac. Bon, ici il y a un trottoir, je vais le prendre, ce trottoir là. Alors on a un trottoir ici, même si c'est presque ça, on va le prendre. Voilà, là ici on a un trottoir, mais il reste des travaux quand même ici. On a l'impression de marcher sur de la boue. Mais ça reste quand même ça, hein. Attention, il faut pas. Hein. On peut pas demander mieux. Donc c'est parfait. Vaut mieux avoir ça que rien du tout sur cette petite portion. Donc là, vous voyez l'enrobé. Qui n'est pas encore fini ici, toujours. C'est assez coûteux, hein. C'est assez coûteux cette histoire d'enrober, mais bon, eh, faut le faire. Bon. Ça serait pas plus judicieux de mettre ce panneau là de l'autre côté, puisqu'on a besoin d'utiliser le trottoir, de le poser là-bas, ce serait un petit peu mieux quand même, au lieu d'à chaque fois descendre, remonter sur le trottoir. Waouh, c'est du boulot là. Je sais pas, je me demande, est-ce que parfois ils réfléchissent bien là? Hein? Ils peuvent pas poser sur le côté opposé là. Toujours cette histoire de difficulté au bout. Merde alors, hein. Moi encore, j'ai pas de poussette, j'ai pas ça, mais j'imagine à ceux qui ont des poussettes, etc. Comment... Enfin, expliquez-moi. Hein. Si je suis con ou c'est la situation qui fait que... Bon, bref. T'arrives à passer avec une poussette là-dessus sans bousculer le panneau ou le faire tomber, etc. Ou descendre sur la chaussée. Après passer, ben, tu peux pas passer. Mais bon, c'est pas grave. Puisqu'on réfléchit bien, on réfléchit mieux, tout se passera bien. Alors ici, circulation alternée, arrivé à cette hauteur-là. Donc c'est dû aux travaux. Pas la peine de se poser la question.
Alors, n'hésitez pas à partager le live, s'il vous plaît, les amis, pour le soutien. Partagez, 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 les amis. Allez, des trottoirs, des trottoirs. Bon, là, ici, on a un petit bout de parking, on peut se mettre là. Les trottoirs ont souvent des poubelles qui sont posées dessus. L'exemple à celle-ci, à ma hauteur, là où je vais passer, il y a des poubelles qui sont posées dessus. Et bien, du coup, comment on va faire pour passer? Il faut une petite zone avec une belle dalle qui indique que voilà, c'est l'espace des poubelles. Et que ça peut dégager, enfin, ça dégage les trottoirs plutôt, pour qu'on puisse circuler. Parce que ici, là, vous voyez, on a une place ici qu'on peut très bien arranger, pousser les poubelles ici, sur le flanc droit. Et puis, voilà, laisser l'accès aux piétons ici, puisque voilà, on ne peut pas. On va devoir pousser les poubelles pour passer. Bon, jusqu'ici tout va bien. Bon, je passe sur l'autre trottoir. Alors, ici, donc, on place le goudron. Du coup, c'est la couche qui va aller dessus. Vite, je m'arrache car c'est toxique. Le goudron de merde là. Pouah. Pouah. Faut pas respirer le goudron là. Donc ici toujours les travaux. Hein. C'est à plusieurs couches. On revient. Alors, toujours Amjago, ici, on est à Amjago. Alors, ici, vous allez apercevoir l'avancée. À quel niveau, l'épaisseur. On a l'épaisseur. Ah, c'est Ramir. Ça va? Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Il y a un feu au bout et eux, ils avancent. Hey! Va feu lieu, allez. Matai pata. Nanyum se y a un goût. Ah, ouais, quand je suis ni gojia, on y va. Gugurutu,
Il y a le feu ici. Donc eux, ils avancent avant le décompte là. Oh. Il faut attendre un petit peu. Ah, là ici, c'est l'enrobé, les amis. Là ici, on a l'enrobé de la commune de Mtsamboro. L'enrobé de la commune de Mtsamboro. Alors ici, on a toujours l'absence de trottoir. Comme je disais, il y a assez d'espace pour mettre des trottoirs ici. Sur certaines portions, bien sûr. C'est pas partout. Mais ici, il y a un trottoir. Arbutsegeri! Ici. Comme ça. Alors, tous les camions que vous voyez là, c'est des camions qui ont amené du gravier goudronné en stand-by. Donc ici, vous allez voir l'épaisseur. Vous voyez l'épaisseur de